puits de pétrole ont été creusés, des gisements de gaz ont été exploités par l'Algérie avec des pipelines et des gazoducs allant de la région de Kidal vers l'Algérie, où ils se reliaient au réseau algérien pour alimenter leurs clients avec du pétrole qui ne leur appartenait pas. Oui, la France est complice, mais c'est bien l'Algérie qui l'a fait. Forcément, les Maliens l'ont mal pris. Et ils en veulent à Paris, et ils ont raison. Mais ils en veulent surtout à Alger. Alger, ce pays qui se dit indépendant, a profité que la France lui a offert de voler le Mali. Alors quand l'Algérie parle d'Union africaine, faites-nous confiance, où est la confiance? Pourquoi l'Algérie finance les terroristes maliens pour reprendre le pétrole? La raison, elle est là. L'Algérie vole depuis 1962 le pétrole et le gaz maliens. Les Maliens sont tout à fait conscients qu'il n'y aura jamais un paiement de la part de l'Algérie. Par contre, maintenant, l'Algérie, les vannes sont coupées. Et d'après certains experts, alors, ce sont des capacités de production pétrolière et gazière de l'Algérie vient de chuter de 76%. Et ce serait une des raisons pour lesquelles les BRICS ont dit « Stop, on ne veut pas de vous. Vos richesses ne sont pas les vôtres, ce sont celles du Mali. » Et comment ils le savaient, les BRICS? Parce que Wagner était au Mali et que Wagner s'est aperçu de tout ça. Et où est-ce que les Russes ont tout de suite été chassés, les terroristes? Et ils sont aperçus qu'ils avaient des uniformes algériens autour de Kidal, là où il y a des puits de pétrole et des systèmes d'extraction gazier. En fait, ce pays qui se dit sauveur de la liberté, ce pays qui se dit sauveur du monde libre, est juste un petit voleur. C'est un petit pays qui se sert de son ancienne colonie pour obtenir des privilèges. N'oublions pas que presque 50% du territoire algérien a été pris à la Mauritanie, au Mali, au Maroc, à la Tunisie et à la Libye. Il y a un jour où tous ces pays diront « on veut retrouver nos frontières » et ils le feront. Voilà quelle est la réalité de ce pays. Un pays de voleurs. À quel point plus personne ne fait confiance à l'Algérie.